Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Laura pour la Get Beauty. Donc je sais, je n'ai pas fait de vidéo entre les deux vlogs. Je suis désolée, mais là je suis en vacances. Donc ça va carburer. Et là on arrive juste à l'entrée, donc je reprends quand je suis à l'intérieur. Bon, je vous reprends maintenant qu'on est rentré. Il y a du bruit, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Pour l'instant, là, on est en train de faire la queue pour Léa, donc je ne suis pas jolie. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce que, pour être honnête, sur toutes les youtubeuses qu'il y a, on ne reconnaît pas énormément. Donc la journée va passer lentement, je pense. On verra bien. Je parle à Laura. Hein. Oui, bien sûr. Et donc voilà, je reprends quand on est, quand on est avec Léa, tout simplement. Parce que là, il y a un peu de queue. Et donc, on est enfin avec Léa. C'est déjà vers la vidéo aussi, mais on n'avait pas beaucoup parlé. C'est vrai. Voilà, là, on va congérer. Au moins, la deuxième fois, on peut plus papoter, tout ça. On s'est reconnus, on sait qu'on s'est déjà vu. Voilà, et ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Et on a terminé avec Léa. Donc là, on va manger. Mais là, tu sais, c'est ça. Oui. Cet après-midi, bah, on va essayer de faire la queue pour voir Auria, Charlène et Gwen. Et ce que je ferai, c'est que j'essaierai d'être un peu mieux organisée qu'à la vidéo City. Enfin, quand je dis ça, par rapport à vous montrer un peu le salon, à quoi ça ressemble, les différents stands. Parce que c'est vrai qu'à la vidéo City, j'ai rien fait de tout ça. Les gens, ils ont juste vu une succession de rencontres. Et voilà, là, on va manger parce qu'on a super faim et on a super mal aux jambes. Donc voilà, on fait une petite pause avant de retourner au combat. Libéré, tu vois? Non! Libéré, 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 sans violence!
Get Beauty, c'est fini. Oui. Je suis avec Laura. Donc là, ce qu'on va faire... Bon, enfin, on est parti avant l'heure. De toute façon, on vous fera un petit débrief. Un petit débrief. Ah oui, un pan. Oiseau, hein, bien sûr. Je n'arrive plus à parler. Bref, on rentre chez Laura, là, et on fera un débrief. J'y arrive pas. On vous fera un débrief. Et cette fois, on le fera vraiment parce que mes parents ne m'attendent pas chez Laura. Là, c'est moi qui rentre toute seule comme une grande avec ma voiture. Donc, c'est bon, on aura le temps de vous montrer un peu et de vous parler. Voilà. Coucou tout le monde, on est bien rentré chez Laura. Et donc là, maintenant, on va vous parler un peu de notre expérience. Et on va montrer ce qu'il y avait dans le tote bag. On va peut-être commencer par ça, d'ailleurs. Oh, je perds ma voix. On a eu droit aux classiques lunettes YouTube. Donc, les lunettes YouTube, on les avait déjà eues à la première Video City. Donc voilà, on connaît, n'est-ce pas? Ensuite, on a eu le droit à un petit baume Sephora. Vous savez, les petits baumes qui sont comme ça? En neuf. Voilà, en neuf, merci, je cherchais le nom. Donc voilà, c'est plutôt et pas mal. Et je l'ai essayé, il est vraiment bien. Ah oui, toi tu l'as essayé, maintenant encore. Et on a eu le droit dans ce tote bag à un rouge à lèvres que je ne retrouve pas. Ah, il est là. Donc voilà, un petit rouge à lèvres bourgeois. Donc moi, je l'ai eu dans des tons assez nude. Laura, elle, pas du tout. C'était un ton très fuchsia. Mais voilà, je crois que c'était les deux seules couleurs qu'il y avait. Ouais, j'ai vu que ces deux-là. Donc franchement, c'est super sympa. Et puis la taille est vachement bien. Enfin, c'est une taille d'un rouge à lèvres classique, ouais. En fait. Donc ça, on était très contents. Puis après, c'est plein de papier. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des bons de réduction. Des bons de réduction. On a un petit échantillon d'un parfum. Oui, ça, on a eu de Playboy. Parce que oui, il y avait un stand Playboy. On en parle? Ouais. La moyenne d'âge étant de 12, ouais. Et encore je suis gentille, ouais. Pourquoi Playboy? Ça par contre on n'a pas compris, mais bon, pourquoi pas, c'est sympa. D'ailleurs on a fait une petite photo, oui, que bah, faut que je te l'envoie par mail, donc je vous l'insérerai maintenant. Sur le stand Playboy. Et voilà, après sinon c'est que des trucs de réduction. Et on est allé aussi sur le stand Innocent, et parce qu'on a aimé la page Facebook, et ben, on a eu droit à une canette, donc c'est leur nouveauté. Innocent Bubbles, Sparkling Lemon and Lime. Très très bon. Il y en avait un autre, c'était Fruits Rouges et Pommes. Mais voilà, comme on a testé les deux, j'avais préféré celui-ci. Donc je vais m'empresser de l'avoir juste après ça. Donc voilà pour le tote bag. Si vous entendez des bruits de clés ou je ne sais quoi, c'est des pièces qu'ils nous avaient données pour qu'on mette dans des machines avec les pinces, vous savez, pour agripper sur le stand Playboy. Mais on les a pas utilisés et on a oublié de les rendre. Oui. Voilà. On a fait des manucures aussi. Ah oui, alors la mienne, je vais pas la rapprocher parce qu'elle est... Non, l'autre côté. Voilà. C'est le stand de Rimmel. Rimmel, parce qu'ils ont une nouveauté comme quoi il faut mettre d'abord le vernis, ensuite vous avez un top coat à mettre. Le top coat remplace la lampe UV, si vous voulez. Mm. Sauf que ça ne marche pas parce que moi, là, j'ai des ongles, mais vous les verriez. Non, je peux pas. Parce qu'en fait, t'as pas laissé sécher. Il y a le chat qui va monter sur la Toi, tu ne touches pas la caméra. Bref, donc oui, j'ai pas laissé assez sécher. Mmh. Et quand j'ai attrapé mes sacs, bah, comme la dame ne m'a pas forcément aidé non plus. Bah voilà, j'en ai mis partout. Merveilleux, donc vivement le dissolvant là. J'ai très bien enlevé cette horreur. Donc voilà, maintenant notre expérience. Bien. Pour 10 euros, très bonne journée. Voilà, c'est bonne, ça. Bonne journée entre copines. C'était sympa, voilà. Pour 10 euros, c'était parfait. Pour 10 euros, c'est-à-dire que Video City, on a payé plus cher et ça les valait. Bah, en fait, oui, heureusement, parce que pour Video City, 40 euros, on a payé. Là, on a vu où ils avaient mis notre argent parce que c'était l'organisation, le fait qu'il y ait tout était mieux, plus d'activités proposées. Voilà. Là, pour 10 euros, bah, c'est sûr, je pense qu'ils peuvent pas mettre autant de choses. Donc c'est vrai que pour 10 euros, il y avait quand même pas mal d'activités. Oui. Mais comme c'était vraiment, bah, comme le Get Beauty, tout est dans le titre, c'est principalement des youtubeuses beauté. Il y en a plein que nous on connaît pas. Oui. Donc on a vite choisi les personnes qu'on voulait. On n'a même pas pu voir tout le monde parce qu'on n'a pas vu Aria. Oui. Bah en fait voilà, les seules qu'on connaît, c'est. C'est les grosses. Voilà, les plus grosses. Enfin, celles qui ont le plus d'abonnés. Du coup, bah c'est là où ils ont le plus de monde. Du coup, c'est bah, plus difficile. On perd plus de temps à, par exemple, avec Léa, on a mis une heure à la voir. Alors plus si on voyait des que plein de petites, on aurait vu plus dans la journée, mais comme nous, on les connaît pas. Voilà. Parce qu'en fait, le truc de la Get Beauty comparé à Video City, c'est que au bout d'un certain temps... C'est mon chat qui griffe le canapé. Pas d'un certain temps, mais je crois que c'est au bout d'un certain nombre de gens. Oui. En fait, ils ferment la queue et vous avez plus accès à la youtubeuse. Donc ça vous permet de passer peut-être un peu plus de temps avec chacune. Mais du coup, vous pouvez pas voir tout le monde parce qu'au bout d'un certain nombre de personnes, et bah, ils ferment et c'est fermé en fait, ça va pas réouvrir derrière.
Oui, bah en fait, l'avantage, c'est qu'au moins quand on est dans la ligne, on sait qu'on va la rencontrer. Ouais. Contrairement à la vidéo City 1 où il y en avait plein qui faisaient la queue pendant par exemple une heure ou plus, et puis au dernier moment on leur dit bah non, c'est trop tard, et donc en fait ouais. t'as attendu toute la journée pour rien. Alors que là au moins, mais le fait est, mais ça faisait moins ça par exemple à la vidéo City 2ème édition. Oui, la vidéo là, City cette année, ils fermaient au bout d'un. Et c'était pas au bout d'un certain nombre de personnes, c'était 30 minutes je crois avant la fin. Ils fermaient pour être sûr que les dernières personnes qui restaient puissent avoir leur petit moment avec. Alors que là, c'est vrai que se limiter à un certain nombre de personnes. Bah après, t'as vu, ils rouvraient en fonction si ça allait plus vite ou pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, parce que Léa, il y avait plus de monde. En fait, ça dépend aussi. Enfin, je sais pas. Après, je trouve que c'était plutôt bien organisé. Parce que oui, non, c'était bien organisé. Qui sont passés, voilà. Après, c'est pour ça que nous, on n'a pas vu Auréa parce qu'il y avait déjà tellement de monde. Enfin, et puis, on a fait énormément de queues. Oui. Je trouve qu'on a fait beaucoup plus de queues ici. Qu'à la vidéo City. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'il y avait moins de monde, on a vu moins de monde. En fait, ça fait la même chose que la première vidéo City. Ouais. Où pareil, on avait eu l'impression d'avoir fait la queue toute la journée. Bah là, c'est pareil en fait. C'est pour ça qu'on a plus apprécié nous la vidéo City, parce que là, la Get Beauty, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait la queue toute la journée. Ouais. Pour qu'au final, on ait vu 4. Toi, t'en as vu 4. Bah, j'ai vu Léa. Ensemble, on a vu Léa, Shake Up, Gwen. Sweetie. Et après, toi, t'as fait. Et moi, j'ai fait Push Your Pink. Enfin, moi, je faisais la manucure. Enfin, moi, je commençais. Bah, non. On a vu Christophe Beaugrand. Enfin, ça, vous l'avez vu normalement. Non, après, on a fait la scène pendant peut-être une demi-heure. On était ouais, sur pour... la scène. Bah, on s'est posé au bout d'un moment parce que là, ouais. on a mal, mais vous imaginez. Ah oui, pas. Et aussi, le Get Beauty, c'est petit comme endroit. Du ah oui, ça oui. résonne. Ah oui, c'est le chat, vous ne savez pas. Du coup, en fait, l'endroit, c'est super petit par rapport à la Vidéo City, du coup, le bruit... Ouais, parce qu'ils attendent moins de monde. C'était 10 fois pire. Ouais, quoi. Ça, par contre, quand des nanas, ça crie, c'est pas pareil quand des mecs, ça crie. Hein. Les voix graves, on les apprécie dans ces occasions-là. Et puis aussi, c'était petit, du coup, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde, en fait, même dans les allées. Ouais, c'est ça, on se marchait un peu dessus. Ouais, ça faisait vachement, en plus, en ce moment, il fait super chaud, je pense, partout. Et la tranche d'âge aussi, ce qui nous a ouais, un peu dérangé. Et ça aussi, la tranche d'âge, Vidéo City, c'était beaucoup plus... Éclectique, même, enfin, filles, garçons et tranche d'âge, ça varie. Alors que là, c'était vraiment c'était très, très jeune. C'était du 8 à 14 ans, 8 ouais. à 15 ans. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que les personnes de nos âges, de 22-23, ouais, c'est les youtubeurs, quoi. En fait, oui, c'est ça. Donc, y avait, ouais, c'est vrai que du coup, bah, au niveau du son aussi, ça crie beaucoup plus facilement. Comme c'est des jeunes et des filles, et ça crie très aigu, donc c'est très vite saoulant. Mais, ah oui, non, et aussi pour les fils. Ah, comme... pour revenir aux youtubeurs, on a aussi vu Cécile. Enfin, je sais pas si vous la connaissez, qui fait du nail art, qui était en fait avec Shake Up, c'est pour ça que j'ai pu la voir. Mais. Et ouais, du coup, le fait que c'est une tranche d'âge assez basse, pour les fils, en fait, ils faisaient entrer un par un pour compter en fait le nombre de personnes, et du coup, tout le monde poussait. Enfin, on a eu problème sur la ligne de Shake Up, parce que les autres, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, quand les même. Autres, ça s'est bien passé. Mais celle de Shake Up, comme elle nous l'a fait remarquer, qu'elle avait pas trop de. C'est vrai que Sweetie, elle avait plus des gens. Proche de nos âges à nous. Ou ados, genre supérieurs à 16 ans. Quoi. Ouais. Du coup, ils savent un peu plus se tenir que des gamines qui, en fait, dès que les fils sont ouverts, elles ont poussé tout le monde. Donc, en fait, on était tous écrasés. Ouais, Shake Up, j'ai dû la faire passer parce qu'elle n'était pas passée. Oui, non. Et donc, j'ai négocié pour qu'elle puisse passer avec moi. Enfin, mais encore. Comme moi, du coup, je suis restée de l'autre côté de la barrière, c'était les parents qui poussaient les enfants pour c'est qu'ils ça. Rentrent. Le pire, c'est pas toujours... c'est ça, le truc, c'est que c'est pas toujours les enfants, en fait, qui posent problème, ça peut être les parents. Ouais. Par exemple, à la Vidéo City, on l'a pas dit, mais il a failli y avoir une baston entre deux parents au tout début de la journée, ouais, sur le stand Rose Carpet. Il était 11h, tout cassé. Et il y a deux parents qui sont brouillés, il y en a un qui a commencé à faire « Oui, je suis sûre que vous votez Front National !» et tout, c'était trop drôle. Enfin, pas pour les gamines, à mon avis, de voir leurs parents se fight, mais nous, on a bien rigolé, genre, enfin, c'est que des conventions de youtubeurs. Je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre l'engouement qu'on a pour des personnes qu'on a l'habitude de regarder et tout, mais au bout d'un moment, les parents, faut quand même qu'ils se calment, ils jouent pas leur vie. Je veux dire, nous, on n'a pas vu Auréa, on va pas pleurer dans notre lit en mode en boule, tu sais, en mode PLS. Enfin, je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire, mais... Donc de manière générale, on préfère la Vidéo City, mais je pense parce que ça correspond mieux à nous. Oui. Enfin, ça nous correspond mieux. Oui, parce que Vidéo City, on voit de tout, alors que là, c'était que accès beauté, comme nous, on n'est pas que accès beauté. Ah non, même on regarde même plus d'autres choses que de la beauté. Autant, franchement, peut-être il y a encore 3 ans, je regardais vraiment beaucoup plus de beauté, du coup, à la fois, ça m'aurait plu. Mais là, comme j'ai moi-même évolué, bah, ça me convient un peu moins. Mais par contre, quand on a posé la question aux youtubeuses,
Des fois, pas toutes. Pas toutes, mais il y en a certaines qui nous ont dit non, nous on a. Elle préfère la Get Beauty. On aime bien Get Beauty, elle trouve ça peut-être plus intime, je sais pas. Peut-être organisée. Que même elle, voilà, elle du côté youtubeur, c'est peut-être mieux pour elle au niveau de l'organisation. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'abonnés d'une vingtaine d'années, on préfère la vidéo City. L'église, il va me péter ma télécommande, n'importe quoi, ma caméra. Il veut la Madeleine. Il va passer devant. Regarde, voilà, allez. Mais voilà le chat de Laura, merveilleux, chat noir. Noir, doux, réglisse. Ah oui, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Pour conclure, y retourner l'année prochaine, c'est pas un non définitif. Mais on verra. C'est on verra en fonction de qui y aura. Parce que dans le fond, j'aurais bien vu d'autres. Chut. J'aurais bien vu d'autres youtubeuses. Donc voilà, en fait, c'est pas. C'est pas un non définitif, quoi. Franchement, non, c'est sûr pas que... plus jamais de ma vie, quoi. Non. Non. Si ça reste dans les alentours de 10 euros, si, enfin, par Flora, parce que moi, j'habite pas très loin du parc Flora, c'est beaucoup plus proche que par des expositions qui est à l'autre côté de Paris, pardon, pour moi. Enfin, oui, bah, par exemple, là, pour y aller, on a mis 4 stations de RER, alors que quand on doit aller à Video City, donc qui est toujours à porte de... Versailles, c'est toujours je sais plus combien de RER, je sais plus combien de métro, enfin voilà, ouais, beaucoup plus de temps. Donc ça nous fait des journées plus longues. Oui, aussi. Donc c'est pour ça en fait, il y a des avantages, des inconvénients, mais donc voilà, c'est pas un non définitif. Ouais. C'est à voir qui aura, s'il y a des nouveautés, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont aussi. Après, ouais, je pense que au fur et à mesure en fait, des éditions aussi, ça s'améliore, enfin comme dans tous les salons quoi. Mais donc, en fait, c'est pour ça qu'on est parti plus tôt, parce que la seule youtubeuse qui nous restait, c'était Oria, et on savait très bien que c'était impossible. Et du coup, après qu'on ait fait notre manucure, bah en gros, on avait plus rien à faire parce que. Mais tu m'énerves! Parce que se faire maquiller, non, vu la chaleur, on va épargner nos peaux. Nos peaux, je parle nos peaux de faciès, quoi. Donc voilà, on s'était dit manucure, puis après, on avait vraiment plus rien à faire. Ce qu'il y avait sur la scène, c'était pas forcément très intéressant. Oui, Laura est partie, mais revient, vous inquiétez pas. Ce qu'il y avait sur la scène, c'était pas forcément intéressant pour nous. Puis ouais. Ben, voilà, comme il n'y avait plus de youtubeuse à aller voir, ben, on a décidé de rentrer plus tôt. Oui, et voilà. Ce qu'on n'aurait jamais fait pour aller de City, ça par contre, c'est sûr. Ouais, non. Parce que, bah pareil aussi, je pense que c'est le prix. Tu vois. Ouais. Là, pour 10 euros, franchement, ça va. Franchement, ça nous a fait une bonne journée. Ça nous a fait une bonne journée. Après, voilà, nous, on y allait entre copines, tranquille. Donc ouais, et puis aussi comme on recommence dans une semaine, donc oui, parce que nous irons au vide dressing de Enjoy Phoenix. Je sais pas si je vloggerai, ça peut être sympa ou pas, je ne sais pas, on verra bien. La meuf, maintenant je ne fais plus que des vlogs, ça y est, pour venir à la chaîne, j'avais dit que je ferais des vidéos entre les deux vlogs, Video City et Get Beauty, ça n'a pas été le cas, mais là je rentre chez moi, donc parce que en fait, demandez à Laura, mais j'ai une liste de vidéos à faire, hein. J'ai une bonne liste. Et en fait, soit bah, j'ai tellement tardé à les faire que d'autres y ont pensé et l'ont fait, ou soit c'est des trucs que je veux faire avec toi et faut qu'on nos emplois du temps ne nous le permettent pas toujours. Donc je vais essayer, franchement, je vais essayer là d'en sortir une prochainement. D'ailleurs, faut que je me rappelle plus des sujets, mais bon, je vais essayer de revenir et d'être un peu plus studieuse dans cette chaîne. Mais en troisième année, je crois que j'ai plus de temps parce que j'ai moins de cours durant ma semaine. Donc voilà, j'espère vraiment, faut que je tienne le bon bout parce que j'y tiens à cette chaîne YouTube, n'empêche. Je serai là pour la motiver. Oui. Parce qu'en plus, c'est à chaque fois qu'on se voit, c'est alors Happiness Maggie, ça devient quoi? Parce qu'il y a plus de vidéos. Bah oui, j'étais là au tout début. Oui, c'est vrai. Mais comme je l'avais dit aussi, c'est vrai qu'après Londres, j'ai eu un peu de mal en fait à revenir à des vidéos normales. Parce que comme j'ai beaucoup vlogué, je vloguais tous les jours, c'était peut-être pas toujours très pertinent, mais je vloguais tous les jours. Enfin, j'ai vu la quantité de travail que c'était et tout. Donc après, une vidéo par semaine, c'est pas du tout la même quantité de travail. Mais il faut quand même du temps pour filmer, pour que je puisse éditer. Ma connexion internet n'est pas toujours extraordinaire. Donc pour les uploader, c'est pas toujours très simple. Mais bon, Happiness Maggie va revenir cet été. En force. Oui. Donc voilà, peut-être vlog de Marie. Je ne sais pas, on verra. Et puis sinon, on va essayer de reprendre les vidéos. Bon, maintenant je vais pouvoir boire ma petite galette innocent. Donc quoi, placement de produit. Oui, placement de produit. Et t'as pas montré les petits bracelets quand même. Ah oui, c'est vrai, à l'entrée on a eu des bracelets. Bracelets bleus pour... Oui, parce que nous sommes que le peuple. Donc voilà, dessus il y a écrit Rimmel, le logo de la Get Beauty
et hashtag get beauty, donc bleu. Par contre, je n'avais pas percuté qu'une fois serré, je pourrais pas le desserrer. Donc, je l'ai serré un peu trop fort. Donc là, vite que je le coupe, parce que ça m'a bloqué un peu la circulation. Non, c'est pas vrai. Regardez, je peux le tourner quand même. J'exagère. Mais, donc voilà. Get beauty pour une journée à 10 euros. Voilà. Réussi. Et on n'est pas du tout cadré. Ça va stresser les gens. Voilà. Bon, on vous fait plein de gros bisous. Oui. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye.